Ce tour d'horizon en images, laissez-moi vous présenter mes invités. Et quels invités ? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce mondial consacré à la responsabilité. Linda Jackson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Peugeot. Soyez la bienvenue. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Vous êtes Michel-Édouard Leclerc, ça on le sait, on est d'accord. Et vous êtes aussi président du comité stratégique de Leclerc. Merci de votre présence. Thierry Blandinière, bonjour. Comment allez-vous, Thierry ? Alors, vous êtes CCE, oui. Mais vous n'êtes pas que CCE. Vous êtes aussi directeur général d'Invivo, une union de coopératives agricoles. Et nous sommes connectés en direct avec New York et Pierre Lehmann qui nous attend. Pierre Lehmann, également CCE, si je ne me trompe pas, on est d'accord, mais aussi directeur général délégué et PDG d'Ipsos Amérique du Nord. Une table ronde donc tout en séduction, mais pour le coup la séduction, elle va être tournée vers les citoyens consommateurs, on est bien d'accord. Alors je propose qu'on commence avec New York justement. Pierre, vous êtes un spécialiste de l'étude des marchés et avant de se concentrer sur le défi de la séduction du citoyen français, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu la perspective au niveau mondial. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Pierre ? Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir que même avant cette crise, vous aviez une majorité des consommateurs, des gens qui estimaient qu'il fallait quand même privilégier l'environnement par rapport à l'économie ou la responsabilité par rapport à l'économie. On avait ça très largement en Europe. C'est trois quarts des Européens pensent de cette manière, même une majorité d'Américains. Mais normalement, quand on a une grande crise comme ça, on a vu dans des crises précédentes, comme par exemple en 2008, que pendant un certain temps, les gens se replient sur leur job, les conséquences économiques, et donc on met un petit peu sur au deuxième plan les préoccupations écologiques, les préoccupations environnementales, les préoccupations sociétales. En fait, cette fois, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Alors peut-être parce qu'en partie, c'est une crise d'une nature un peu différente, évidemment, qui n'est pas au départ une crise économique, qui est devenue en partie une crise économique pendant un certain temps, mais qui au départ était une crise sanitaire. Donc les gens, en plus, se retrouvant chez eux, ont peut-être eu un peu plus de temps pour penser, réfléchir à l'avenir de l'humanité. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu, et qu'on n'avait pas vu dans les crises précédentes, c'est que le taux, la proportion de gens qui estiment qu'il faut faire quelque chose, que si on ne fait rien, on va droit à un désastre, a augmenté de 5 à 10 points dans les grands pays, dans les 30 plus grands pays, avec des scores très élevés, par exemple en Chine. En Chine, plus 12 points, 90% des Chinois estiment qu'il faut faire quelque chose, sinon on va droit à un désastre. Et même les Américains, qui sont traditionnellement un petit peu à la traîne sur ces sujets-là, bon, qui, parce que l'économie chez eux, c'est roi, et puis parce que leurs politiques n'ont pas toujours été non plus d'une très grande, d'un très grand leadership sur ces sujets, même les Américains ont vu ce taux augmenter de 7 points, donc il y a 70% des Américains aujourd'hui qui pensent de cette manière également. Donc on est dans une situation intéressante où en fait des tendances qu'on voyait évidemment avant la pandémie ont été accélérées comme tant d'autres pendant cette pandémie, mais là un petit peu à l'inverse de ce qu'on avait connu dans des crises précédentes. Donc la crise, effectivement, sanitaire, économique, accélérateur de toutes ces prises de conscience, ça c'était pour le reste du monde. On va maintenant s'intéresser à la France et on va peut-être commencer avec vous, Linda Jackson. J'aimerais qu'on s'intéresse au secteur de l'automobile. Comment on relève ce défi de la séduction ? Quels sont vos challenges actuellement ? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, nous sommes Peugeot, c'est une société globale, donc effectivement, nous sommes présentes en 130 pays, donc c'est vraiment international. Et aussi, on pense toujours que effectivement Peugeot vend les voitures, mais c'est pas que ça maintenant. C'est une expérience en vente, parce qu'évidemment il y a l'achat, mais après vente et tout ça. Et donc je pense on passe maintenant vers trois choses pour le client. Il cherche une expérience émotionnelle, évidemment avec le produit et tout ça, mais il cherche quelque chose, on peut dire le reality économique. Ça va coûter combien? Et la troisième chose qui est très importante, et c'est plus important maintenant après Covid, c'est évidemment cette expérience responsable. Donc effectivement, énergie efficiente, CO2, et c'est pourquoi, par exemple, nous avons poussé fortement notre stratégie d'électrification à partir de 2014, avant que nous avons parlé un petit peu de véhicules électriques, pour arriver évidemment aujourd'hui avec 70% de nos voitures avec une version électrifiée. Donc je pense qu'on en voit sur le marché automobile cette move entre produit vers expérience,
image, mais maintenant, évidemment, le CO2, c'est quelque chose qui est très important, et aussi pour la société aussi, parce que nous sommes beaucoup de questions sur carbon neutral et tout ça, donc on voit exactement la même tendance. Exactement, puis on aura justement une table ronde à l'issue de celle-là sur la décarbonation. Je vais juste dire à mon équipe qu'on va plutôt lancer le compteur, puisqu'on a une heure de débat, mais j'aimerais bien voir effectivement le décompte s'afficher. Merci beaucoup. Alors voilà pour le secteur de l'automobile. On va y revenir, bien évidemment. Et puis, j'aimerais aussi que Pierre Lehmann s'exprime là-dessus, voilà, parce qu'il a quelques chiffres, je crois, à nous donner. Mais je voulais savoir, Thierry, Michel-Edouard, est-ce que ce que dit Linda Jackson... Alors, qui veut commencer? Est-ce qu'on est dans le même... Honneur aux clients. le même ressenti. Je vous en prie, Michel-Edouard. Honneur aux clients. Merci de cette élégance. Et je vous le renvoie. La crise a... Particulièrement en France, mais évidemment, ça s'observe... sur les marchés déjà matures, occidentaux, américains, la crise a accéléré des demandes sociales qu'on aurait qualifiées hier de demandes de bobo ou auxquelles auraient répondu les entreprises avec du greenwashing. C'était assez installé comme discours et c'était assez binaire. Dans la réalité, pendant la crise, on a consommé un peu n'importe comment, on a stocké, surstocké, etc., c'est une parenthèse. Dans la réalité, la préoccupation sanitaire s'est insérée dans une demande sociale déjà de sécurité, de maîtrise de la consommation. Et au fond, on a gagné 5-6 ans, je pense, dans la prise de conscience qu'au fond, il faut non seulement manger mieux, mais se comporter mieux. Cette notion de responsabilité, elle n'est pas que dans l'interpellation aux entreprises ou aux hommes politiques. Le consommateur, aujourd'hui, a conscience qu'il peut jouer une carte très importante dans la manière de mettre tel type de carburant, de recycler, de mettre dans la poubelle et tout ça. Et donc, nous devons y répondre. Et on va dire que, puisqu'on parle au conseiller du commerce extérieur français, on va dire que la France vient de donner un grand coup d'accélérateur à cette narration nouvelle du modèle alimentaire français. Narration... collectivement joué à partir des états généraux de l'alimentation, moins de sel, moins de sucre, effet sur la santé, mais aussi information du consommateur. On a vu UCA, mais c'est aujourd'hui le débat sur le Nutri-Score ou toute forme de labellisation sur le bien-être animal. C'est derrière le localisme ou le relocalisme, c'est pas tant l'aspect... Il y a l'aspect patriotique, chauviniste, c'est un Breton qui le dit, mais c'est aussi une manière de maîtriser le circuit, sa consommation. Tout le monde parle de circuit court sans forcément le pratiquer. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut savoir d'où ça vient, comment c'est composé. Et ça, c'est pédagogiquement un travail qui a été fait très, 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 très vite. Donc, nous, industriels de l'agroalimentaire, nous, distributeurs, nous devons répondre à ces attentes. C'est vraiment installé dans la demande sociale. Qu'on vende des voitures, qu'on loue des voitures, ou que ce soit le secteur du tourisme ou autre, on est représentatif de nos secteurs. Mais bien on sûr. A un observatoire très très large et donc ça doit façonner notre offre et aujourd'hui on ne peut pas y échapper. Je veux dire par là que celui qui n'y va pas, de toute façon il va dégager, que ce soit une marque, une entreprise. Et je rajouterais mon petit sel Leclerc, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de faire du meilleur, du beau et du bien, mais il faut que ça reste accessible à une large population. C'est vrai. Et la ça, démocratisation c'est votre de l'accès au meilleur, c'est vraiment un combat. Et je ne dis pas ça plus... juste pour la publicité. J'entends. De prix, un industriel établit des niveaux de gamme, des niveaux d'accès. Le pas cher, c'est aussi une manière de faire rentrer dans une logique qualitative, etc. Quand vous prenez un catalogue de foire au vin, on parle beaucoup de grands crus, alors que le prix moyen des vins, c'est 6 euros, 7 euros. Mais c'est très important de grandir avec le tempo du pouvoir d'achat de nos clients, quel que soit le secteur, évidemment, de nos produits. Et les usagers. Donc, c'est un combat qui ne s'oppose pas. Le combat des valeurs, le combat de la valorisation de l'amont comme de la considération du consommateur doit intégrer tous ces volets-là. Le prix ne s'oppose pas à la qualité. Il faut travailler sur des compromis, sur des mixtes. Et c'est un enjeu formidable pour le modèle français. Hein, c'est énorme.
Linda Jackson voulait réagir. Non, non, je suis d'accord avec M. Leclerc, parce qu'effectivement, maintenant, les gens sont responsables, ils veulent le véhicule électrique, mais vous avez raison, il faut avoir le véhicule électrique accessible. Et ça, c'est le grand challenge, parce qu'évidemment, avec le coût de batterie, le prix de batterie, ça, c'est difficile. Donc ça, c'est un challenge pour nous aussi. La deuxième chose, on parle beaucoup avant de global. Maintenant, le mot, c'est local. Ouais. Donc effectivement, c'est de produire les voitures dans le pays le plus proche. Mmh. Et après, la dernière chose, avant que vous pouviez dire quelque chose, aussi, on a vu que la façon d'acheter une voiture a changé. Vente en ligne, ça devient quelque chose de très intéressant. Mais oui, pour une voiture. Exactement. Donc ça, c'est autre. Ouais. C'est pas exactement l'environnement ou protection de l'environnement, mais c'est aussi un changement majeur. Alors, nous étions du côté des clients. On va remonter du côté des producteurs. Oui, moi, j'ai bien écouté mes clients, donc je vais essayer de répondre à l'attente de mes clients et des nouveaux consommateurs, citoyens, acteurs engagés, mondiaux, y compris à New York. Ça bouge beaucoup là-bas aussi, hein, dans la chaîne alimentaire. Je voudrais revenir et vous dire, mais peut-être une évidence, mais tout le monde le sait maintenant, que la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance. Mais surtout pour dire que finalement, depuis maintenant, dans l'agriculture, moi je suis directeur général d'INIVO depuis 2013-2014, je sens vraiment bouger les lignes. On a initié beaucoup de programmes difficiles à expliquer aux agriculteurs comment assurer cette transition agricole, transition alimentaire, transition écologique, comment régler cette équation de produire plus et mieux, parce qu'effectivement, il faut régler l'équation produire plus et mieux, parce que mieux, c'est plus cher. Si c'est plus, c'est moins cher. On est d'accord ? Donc il faut relier ça aussi au volume. Et donc on commence maintenant à avoir un message qui passe. J'étais hier à l'Assemblée Générale de l'AGPB, donc les grands céréaliers français quand même, qui sont le socle de l'agriculture, et en expliquant que finalement on va s'engager vers une transition agricole qui va nous permettre de préserver les sols par exemple, et de s'engager dans une véritable politique régénératrice des sols, axée sur la biodiversité, la gestion de l'eau, et ça passe par des rotations de cultures. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil et c'est vrai partout. Pour autant, il faut accompagner cette transition, et donc aussi il faut apporter un filet de sécurité sur le revenu des agriculteurs pour qu'ils s'engagent dans cette transition. Et on parlait par exemple des crédits carbone tout à l'heure, avant cette table ronde. Le crédit carbone peut être un levier de transformation économique dès l'instant où le consommateur accepte effectivement de valoriser ce crédit carbone, et que les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises qui font de la compensation aujourd'hui carbone à l'international à des prix qui ne sont pas d'un bon niveau, pourraient relocaliser leur crédit carbone en France sur des valeurs beaucoup plus RSE, avec une vraie valeur de marché carbone RSE, pour aider le financement de cette transition agricole. Et donc je dis ça parce que finalement je fais référence aussi à, je pensais à ça en même temps en m'exprimant, à une étude de Crédit Agricole BVA qui est sortie, je ne sais pas si Michel tu l'as vu, il y a 15 jours, qui montrait que c'était la progression de l'image positive de l'agriculture française, au sens large, pas les agriculteurs, le petit agriculteur, l'agriculture en tant qu'économie, secteur d'activité, dans l'image positive au niveau des Français. On a gagné 22 points en 6 ans. Il y avait une étude qui a été faite en 2015. Bon, c'était positif, on devait être à 52%, on est passé à 77%. C'est énorme. La crise a joué, certainement. Ouais. Pour autant, il s'est passé quelque chose. Bien sûr, les Egalim, la politique bio, les circuits courts, tout ça, c'est très bien. Mais demain, ça va représenter 20-25% de la ferme France. Ouais. Restera toujours 75%, 70% de la ferme France, qu'il faudra transformer sur une agriculture durable, qui ne sera jamais bio, qui ne sera jamais circuit court, pour autant qui sera le socle économique compétitif de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les semences, ce sont les céréales, tout part de là. On sait très bien que quand les prix des céréales montent, tout monte. Et après, c'est difficile de répercuter les hausses de tarifs directement dans la chaîne alimentaire jusqu'au consommateur. Donc il faut rester compétitif sur le prix des céréales. C'est le socle économique de la France. Et ça, il faut se battre pour le garder. On sait qu'on est sous pression parce que forcément, quand on parle de céréales, on parle d'une agriculture compétitive, donc qui pourrait être traduite comme agriculture productiviste, poussée par la chimie. Il faut qu'on sorte de ça, et je pense qu'on est en train d'en sortir, parce qu'on a des solutions. On a des solutions grâce aux nouvelles technologies, l'agriculture de précision, la capacité à gérer au mieux, quelque part, ces intrants au mètre carré près sur une parcelle. Et ça, c'est une économie aussi d'intrants. Donc c'est une baisse d'utilisation de la chimie, c'est une baisse d'utilisation de l'eau, une meilleure utilisation de l'eau, une optimisation des sols. Et tout ça, demain, ça devrait être labellisé. Et si vraiment on veut faire bouger les lignes, si on parle d'économie,
Et si on parle de grande culture, si on parle de commodities, il faut qu'on arrive à faire coter un blé RSE premium à la bourse de Chicago. Parce que si on arrive à avoir suffisamment de flux niveau international, puisqu'on parle au commerce extérieur, parlons international, et j'ai dit on va organiser des rencontres avec les grands joueurs, Cargill, ADM, etc., aux États-Unis, à Chicago. Est-ce qu'on peut faire coter un blé RSE à condition de définir qu'est-ce qu'un blé RSE ? Et donc, quelque part, il faut qu'on ait ensemble, qu'on se mette d'accord sur des paramètres. Et donc, qualité des sols, engagement sur la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Tout ça, ça doit être calibré. Et je vois aussi, je ne vais pas faire trop long, mais je vois aussi des start-up aujourd'hui, par exemple une start-up qui a été récompensée récemment, qui s'appelle Greenpack, qui permet d'avoir déjà un indicateur de valoriser la qualité des sols. Et ça, c'est hyper vertueux parce que, quelque part, l'agriculteur, s'il préserve ses sols, il aura une meilleure valorisation de son exploitation et de sa terre. Et ça sera un asset pour lui. Et donc, en même temps, il produira mieux. Et il répondra à la compétitivité des prix. Voilà. Alors, il faut qu'on rentre dans ce débat. Donc, je suis très heureux qu'on puisse en parler là. Mais bon, je sais que le chemin est long. Et la pente est raide, comme dirait Raffarin. Mais on va y arriver. Je pense que si on prend, par exemple, le secteur automobile, on a un exemple très intéressant qui devrait aider nos agriculteurs, mais le monde syndical, les leaders d'opinion, etc., à basculer sans trop de crainte. Bien sûr, il faut accompagner. Mais vous voyez, le secteur automobile, on a vécu pendant très longtemps sur cette idée d'un modèle allemand avec le diesel, c'était les meilleurs, et puis les marques comme BMW, Mercedes, tout nouveau riche, tout nouveau patron d'Inter, de Système U, tout ça se payait une voiture allemande. Aujourd'hui, s'acheter une Peugeot avec du design, avec je ne sers pas la soupe, mais vous voyez bien que, en fait, ces marques qui étaient fondées sur une technologie, après l'affaire Volkswagen, ça, tout le monde est en train de recréer aussi sa narration. Et c'est les mêmes marques qui prennent ce virage. Et vous l'avez dit, 60% de modèles avec de l'électricité chez Peugeot. Regardez d'où on vient, la rapidité avec laquelle ça va. Et là, on bascule. On nous parle d'hydrogène. On ne sait même pas comment nous, usagers, ça va fonctionner. Mais vous voyez que on accepte que dans le secteur d'à côté, ça aille très vite. On accepte que le transport aérien, d'ici 20 ans, 30 ans, on va changer les engins, on va changer les moteurs. Et donc, oui, il faut dire, nous qui sommes gagnants aujourd'hui, il faut qu'on soit volontariste et qu'on exprime à notre agriculture qu'avec tout ce qu'on a et tous les talents qu'on a, on va être très bon dans les nouveaux modèles agricoles. Les Bretons ont certes gagné pendant 30 ans les 30 Glorieuses, ils ont modernisé l'agriculture bretonne, d'ailleurs en s'inventant le modèle allemand. On s'est équipé en tracteur 3 marches, 4 marches, presque on défie des bosserons maintenant sur la hauteur des tracteurs. Mais voilà, aujourd'hui, sur une agriculture... D'ailleurs, il n'y a pas un seul modèle. Il y a plein de modèles, il y a plein de compromis. Et on est capable de le faire. Le truc, maintenant, c'est l'intergénération. Et il faut accompagner. Il faut accompagner financièrement. Il faut accompagner la rémunération. Et puis, il faut... Mais le plan de relance, Bruno Le Maire, c'est quand même assez extraordinaire ce que la France fait pour la mutation de son économie. On s'en rend compte quand on est à l'étranger. Notre ami va nous le dire, vu des États-Unis, aussi bien sur le plan social que sur le plan des soutiens à l'innovation et à l'appropriation de l'innovation, y compris par la génération précédente. Et donc, non seulement il faut avoir confiance, mais on a des atouts extraordinaires. Et moi, du haut de mon jeune âge et de 40 ans de travail dans la distrib, j'ai vu mes parents créer leur magasin sans savoir et sans apprendre. Ma mère apprenait les cours du soir de comptabilité. C'était une génération de petits commerçants qui ont appris la modernité chez eux. Puis après, ils ont appris la supérette, le supermarché. Carrefour est arrivé à créer des hyper. Les hard discounters sont arrivés. Aujourd'hui, Amazon arrive. Même pas peur. On est capable. Regardez tous ces commerçants qui ont fait du click et collect pendant le confinement. Qui sont sur les plateformes de Deliveroo ou autres. Même les restaurateurs sur les plateformes des distributeurs. Donc, voilà, il faut que le discours politique accompagne tout ça. Et il faut que nous, conseillers du commerce extérieur ou leaders sur nos secteurs, il faut qu'on accompagne cette mutation. Juste avec un petit bémol rapide sur l'agriculture, c'est qu'on est dans le vivant.
Donc on a une volatilité en plus qui est liée au climat, au temps, à l'eau, et que c'est extrêmement compliqué de gérer tous ces paramètres, contrairement à l'industrie où bon, on peut maîtriser complètement sa production. Mmh. Nous, on est dépendant du climat, de la pluie, du soleil dans le monde, et ça a des impacts sur le prix. Il faut maîtriser aussi la volatilité du climat, plus la volatilité des prix. Enfin, tout est un peu lié d'ailleurs. Et donc c'est moins évident d'embarquer aussi des milliers de personnes, parce que nous on parle à des milliers de personnes, à des TPE en fait, des chefs d'entreprise qui sont les agriculteurs dans le monde entier, pour les aligner sur une politique, une trajectoire de transition agricole. Il faut le faire, mais c'est beaucoup d'énergie pour embarquer beaucoup de monde. Voilà. Pierre Lehmann, même pas peur, disait Michel-Édouard Leclerc, même pas peur de cette transformation. Vous en pensez quoi, Pierre Lehmann ? Déjà, je voudrais juste revenir un peu sur un point qu'a mentionné Linda, qui me semble très important. Quand on parle de sustainability, donc il n'y a pas malheureusement de mots vraiment... Durabilité, c'est ça ? Durabilité, je pense. Oui, c'est le mot officiel, mais durabilité, bon, responsabilité, enfin bref, on se comprend tous. Il faut bien voir qu'on ne parle pas que d'une chose, on ne parle pas que de l'environnement, on parle... De également une responsabilité économique, une responsabilité sociale. Et d'ailleurs, c'est très bien décrit par les Nations Unies dans leur Global Compact, tous les principes qui sont de la lutte contre la corruption, de la responsabilité sur la chaîne de production qui, en général, dépasse, transcende une industrie en particulier. Par exemple, dans l'automobile, c'est vrai que les consommateurs dans l'automobile, ce qui les intéresse le plus, c'est exactement ce qu'a dit Linda, c'est l'électrification ou disons la décarbonisation de l'automobile. C'est le fait d'avoir des emplois locaux. Et c'est l'accessibilité. Alors, c'est pas que l'accessibilité prix, c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées, pour les gens qui ne sont peut-être pas tout à fait dans les standards du consommateur moyen. Mais à quoi ça sert d'électrifier les voitures si 60% ou plus de l'électricité mondiale est produite à partir d'énergies fossiles ? Alors, c'est pas le cas en France parce qu'on a le nucléaire. Mais ceci dit, dans les énergies non nucléaires, non fossiles, les Français sont en retard par rapport même à la moyenne mondiale. Donc on voit bien que c'est un problème beaucoup plus large qui dépasse, qui transcende une chaîne de production dans un seul secteur et que donc il faut une action extrêmement concertée qui n'est pas qu'une action des Français ou c'est une action mondiale. C'est d'ailleurs tout le but d'un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par la France, par le président Macron, par son prédécesseur aussi. Donc il faut vraiment penser de manière globale, intégrer ces sujets-là. Et par secteur, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les consommateurs n'ont pas exactement les mêmes attentes. Donc, je parlais de celle de l'automobile. On a parlé de l'alimentaire. C'est vrai que dans l'alimentaire, c'est la biodégradabilité. C'est le gâchis. 50% de la production alimentaire aux États-Unis est jetée, n'est jamais utilisée. La finance, c'est l'accessibilité aussi. 6% des Américains ne sont pas bancarisés. 25% n'ont pas vraiment accès au crédit. 30% de la population mondiale n'est pas bancarisée. Si on pense aux plateformes Internet, les questions de respect de la vie privée sont aussi essentielles dans le concept de développement durable et responsable. Donc on voit qu'il y a de multiples paramètres qui vont bien au-delà de la protection de l'environnement, même si la protection de l'environnement, là, c'est carrément une question de survie pour l'humanité et que les gens le savent bien. D'ailleurs, je voudrais juste dire que quand on parle de protection de l'environnement, en fait, c'est dans l'esprit des populations, c'est... un tiers le plastique, un tiers le réchauffement climatique et un tiers tout le reste, dont par exemple la biodégradabilité qui est importante en France, mais qui l'est peut-être un peu moins ailleurs. Le plastique est quand même un sujet essentiel qu'on ne peut pas oublier dans tout ça. Et quand on parle de chaîne alimentaire, il est évident aussi que les packaging, la dégradabilité des packaging sont une question essentielle. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que, en revenant aux consommateurs citoyens, c'est qu'on a réussi, d'une certaine manière, à faire croire aux gens que leur responsabilité est, que c'est eux qui ont la responsabilité la plus importante dans cette question de développement durable. Quand vous posez la question dans 30 pays ou 35 pays de qui est l'entité la plus importante, qui doit prendre en charge, qui trahit en fait les générations futures si on ne fait rien. C'est intéressant de voir qu'à 72%, les gens disent « c'est nous, c'est les consommateurs, c'est nous en tant que citoyens qui sommes les premiers responsables ». En deuxième, ils disent les entreprises, 68%, et seulement en troisième, les gouvernements, à 65%. C'est intéressant parce que, par exemple, on a réussi dans le tri des ordures. Les trois quarts des Européens trient leurs ordures aujourd'hui. Plus de 90% des Italiens trient leurs ordures, plus de 80% des Français. Même plus de 50% des Américains trient leurs ordures. Et je garantis que pour convaincre les Américains de faire ça, c'est pas rien.
Mais en même temps, 9% des plastiques sont recyclés. Beaucoup des ordures qu'on recycle finissent au Bangladesh, brûlées ou dans des décharges publiques. Donc on voit bien que les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer, pas seulement compter sur le consommateur, même si le consommateur va, et on va revenir là-dessus, de plus en plus effectivement dicter sa loi en achetant ou en achetant pas, mais quand même les gouvernements, notamment, et bien sûr les entreprises ensuite, ont un rôle essentiel à jouer dans tout ça. Merci beaucoup Pierre-Léman, j'aimerais avoir vos réactions au plateau, qui veut réagir à ce qu'a dit Pierre. Pierre évoquait voilà, le secteur automobile, hein, cette transformation incroyable, et encore qui n'est pas finie, hein. Je pense qu'on va aller vers des véhicules autonomes, certainement vers des parcs de partagés, c'est ça l'idée? Oui, je pense qu'il y a un point que le monsieur a dit, qu'effectivement il y a une différence, un écart de vitesse, oui, de cette changement, de cette transformation dans le monde, donc oui, nous sommes un petit peu concentrés sur la France, sur l'Europe. Et donc, on parle beaucoup dans le monde automobile de CO2. Donc, évidemment, le CO2 en Europe, c'est poussé par le gouvernement, par la European Union. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, c'est pas... Au début, ce n'était pas le client qui a demandé les véhicules électriques. C'est vrai. Maintenant, ça change. Ça change. Mais au début, c'était poussé par la règle. Mm-hmm. Donc, il y a une vitesse qui est différente parce que, par exemple, quand on vient en Amérique du Sud, ce n'est pas exactement la même situation en termes d'électrification. Donc, effectivement, nous sommes obligés de continuer dans deux phases. Donc, ça, c'est la première chose, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas avoir une vision naïve du consommateur. Le consommateur, il a des valeurs, il a des aspirations. Ça le travaille et donc il nous faut lui fournir des offres compatibles avec ses aspirations. Et d'ailleurs, il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Nos offres sont en compétition. Et donc, moi, je suis d'accord avec le côté volonté d'accélération et tout, mais on voit bien dans la crise que si les gouvernements et si les États n'étaient pas intervenus, ne serait-ce qu'avec des plans qui n'ont... tout le monde réclamait des plans Marshall, là. On les a. Enfin, c'est les banques centrales, ce sont les États qui alignent. Les débats, même nous, chefs de secteur, même nous, avec notre capacité d'innovation, on fait avec la législation, avec la pression de la législation, avec les conventions internationales. On n'aurait peut-être pas été aussi vite. Vous voyez, c'est... Donc, nous devons être sur cette ligne-là et défendre cette ligne-là. Il y a, je pense, un retour de l'État qui façonne l'écrin sur lequel on s'engage, d'ailleurs, sur le plan international. Donc ça, c'est une réalité de nos boîtes. Il faut qu'on rentre dans ce cheminement-là. Après, le message que je voudrais dire, c'est quand même que la France n'est pas en retard. Il y a des points où on est en retard. Ouais. Il y a des trucs qu'on ne sait pas bien faire. Mais il ne faut pas juger sur le temps court, même dans la gestion du Covid. Vous voyez bien, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes mentalités. Peut-être qu'on a merdé sur deux ou trois... Mais si vous regardez, regardez l'offre alimentaire, faites le tour de l'Europe. Surtout ce qui concerne la préoccupation sanitaire, le traçage, etc. On a eu des crises. Mais aller en Europe du Nord, c'est pauvre l'offre par rapport à ce que... Aller en Allemagne... Regarde, nous sommes partenaires du groupe Rewe Allemagne. Il y a beaucoup de Lidl, d'Aldi, etc. Ils ont des offres très restreintes. Du point de vue de la rémunération pour l'agriculteur, si vous êtes monomarque, si vous êtes un peu en gamme soviétisée, c'est difficile. On reste tout le temps dans le mass market. Nos industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui, ou les filiales même internationales de l'agroalimentaire opérant en France, sont très innovantes. Hein, les marques sont leaders. Quand vous voyez que, pour ne pas parler que de nos deux secteurs, quand vous voyez que McDo aujourd'hui signe le Nutri-Score, au-delà du débat sur ce que dit le Nutri-Score, vous voyez bien qu'il y a un chemin qui est pris, un engagement, et on n'en est plus au greenwashing, au marketing facile. Il y a des menus derrière, il y a des comportements. Donc moi, je trouve que, puisqu'on est avec des conseillers du commerce extérieur, il faut défendre notre baraque. Et la Maison France, aujourd'hui, elle ouvre ses fenêtres, elle met du grimpant sur les murs, on isothermise nos maisons, et on n'est pas à la ramasse, quoi. Et bien sûr, il faut accélérer, il faut faire la pédagogie de ça, de manière à ce que, d'une génération à l'autre, avec peu de moyens, on puisse faire aussi. Et je pense que là, il y a un bel enjeu de l'économie française. En fait, on n'avait pas de projet de la Maison France il y a 3 ans. On se délitait dans les querelles corporatistes. Là,
on a un vrai projet. Et ce plan de relance, si on ne loupe pas le coche, hein, faut pas laisser les Américains, les Chinois prendre la main, mais on a un vrai plan. Même en Europe, la France a un leadership à assumer. Thierry Bonvillière. Pardon, allez-y, Linda. C'est rapide, c'est juste pour rebondir sur la France qui doit être en avance. Oui, mais pas trop quand même. Non, mais il faut être en avance, mais pas trop quand même, pour ne pas sortir du marché mondial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans une stratégie d'une ferme France, une politique de niche internationale. Mmh. On n'en a pas les moyens, il faut qu'on reste compétitif et il faut qu'on fasse avancer l'Europe au même pas que la France. Et je reviens sur l'agriculture, excusez-moi, mais c'est important. On parle de normes. Ça serait normal d'avoir un socle de normes européens. Alors ça existe peut-être dans les voitures, mais dans l'agriculture, il y a des différences d'application de normes entre l'Allemagne et la France, par exemple, sur l'interprétation, par exemple, d'utilisation des phytosanitaires et autres. Bon. Et ça, c'est pas possible, parce que si on prend, effectivement, si on met plus de handicap à l'agriculture française qu'à l'agriculture allemande, ben finalement, on va perdre des parts de marché à l'international. Et je vous rappelle peut-être, et vous le savez certainement, qu'une tonne de blé produite en France est exportée. Donc si on n'est pas compétitif à l'exportation, même en Europe, eh bien finalement, on va réduire notre potentiel de production et on va démolir le socle économique de l'agriculture française. Je crois que c'est notre président qui disait qu'il n'y a pas de pays fort, il n'y a pas de France forte sans agriculture forte. Quand on dit agriculture, il faut qu'on dise aussi céréalier fort, parce que c'est le socle de l'agriculture qui doit être compétitif pour ne pas dépositionner les autres filières des prix du marché européen et mondial. Et ça, c'est un enjeu. Il faut qu'on prenne plus la parole, nous, les agriculteurs, sur le sujet, parce qu'on entend trop le consommateur. Il a raison d'être exigeant, mais en même temps, il faut lui expliquer aussi quelles sont les clés de l'économie derrière. Et moi, je compte beaucoup sur mes clients, Michel, Edouard, et de faire de la pédagogie auprès des consommateurs et des associations pour leur montrer aussi qu'il ne faut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Il ne faut pas déstabiliser un édifice par des postures dogmatiques. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais en même temps, tu vois, il faut avoir de l'ambition. Et il faut convaincre d'avoir de l'ambition. Si dans le secteur automobile, on dit « je vise la moyenne du marché parce qu'il ne faut pas déstabiliser », tu ne gagnes pas. Tu gagnes le Tour de France, pas en gagnant toutes les étapes, mais il faut quand même avoir l'ambition d'en gagner quelques-unes. Et moi, je pense que, tu vois, je suis d'une région, la Bretagne, il y a 30 ans, on faisait que de l'artichaut, il y a 35 ans, on faisait que de l'artichaut, de la pomme de terre, de l'ail et de l'oignon. Ça n'aurait jamais gagné un sou si des gars n'avaient pas créé Prince de Bretagne, ils n'avaient pas le culot de créer Saveol. Et donc, ils ont de rien, ils ont fait de la valeur. Et heureusement qu'ils ne se sont pas dit... ils ont envie de challenger, ils ont fait du marketing, ils n'ont pas dit c'est réservé aux bobos, etc. Et donc, à un moment donné, moi je pense que des grandes voies agricoles doivent mettre le cochonnet un peu plus loin dans le jeu de boules, tu vois. Et nous entraîner tous vers ça, voilà. Et c'est ce que font les grandes marques automobiles aujourd'hui. Si tu restes dans la gestion des acquis et l'adaptation aux acquis, tu ne fais pas de grandes choses, tu n'entraînes pas. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Nous, on est volontaristes. J'adore ce débat. Donc, par exemple, d'abord, il faut faire émerger des leaders en Europe. Donc, nous, Invivo, là, on est en train de racheter Soufflé. On va créer un groupe à 10 milliards pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans la maison en Europe d'un point de vue économique. Vous voyez qu'on est volontaristes. Mais on y va avec une politique pour assumer la transformation. Donc, il nous faut un effet de taille, il nous faut un poids économique aujourd'hui. Donc, on est en train de bouger. Mais, quelque part, il ne faut pas aller trop loin. Quand on parle du bio français, pourquoi il est différent du bio allemand, par exemple? À quoi ça sert? Est-ce que le consommateur le sait? Et de quoi on parle? Non, il ne sait pas. Simplement, on est dans des positions aujourd'hui de certaines minorités qui ont des positions dogmatiques calées sur la décroissance de l'économie et pas sur la croissance de l'économie. Il faut dire le mot. Hein, je suis assez à l'aise dans cette instance pour en parler. Et nous, on est pour la croissance, en fait, et pas la décroissance, et pour l'innovation. Mais attention à ceux qui... sous le couvert des circuits courts du bio, ont une position dogmatique pour promouvoir une décroissance de l'économie. J'ai une question d'un citoyen consommateur CCE pour vous. Alors ça concerne bien sûr la production et la consommation de viande. C'est Hervé Muller qui nous écrit. Merci Hervé de nous envoyer cette première question. Vous interrogez bien sûr sur la réduction de la consommation de la viande qui est essentielle. Mais d'après vous, on est en train d'éviter le sujet. Pourquoi on évite et comment changer justement ce tabou sur la consommation de la viande? Linda Jackson, je pense que vous êtes
Oui. Moi, je ne suis pas un gros consommateur de viande, alors je ne suis pas le meilleur. Une idée, en tout cas, sur cette question-là. Enfin, c'est une question sur le quantitatif aussi, sur les comportements. Après, les éleveurs eux-mêmes, pour créer de la valeur, veulent valoriser les races à viande, le manger mieux et pas forcément le quantitatif. Bon, c'est des débats inépuisables. Mais sur la question voilà, parce que le problème derrière ça, c'est évidemment la consommation individuelle, mais il faut aussi voir combien de personnes consomment. La réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans une tendance à la baisse de la population sur la planète. Vous voyez que les Chinois viennent de remonter à 3 maintenant le nombre d'enfants qu'ils ont le droit de faire, après passer de 1 à 2, parce qu'évidemment, ils se rendent compte que si 50% de la population est retraitée, ça pose des problèmes sociétaux assez importants, maintenant qu'il y a quand même une attente aussi de vivre relativement vieux et si possible en bonne santé. La question aujourd'hui, c'est beaucoup plus, non seulement le recyclage, mais la réutilisation. C'est-à-dire comment on fait en continuant à grossir, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les Chinois, les Indiens, les Africains vont vouloir atteindre un niveau de vie ou en tout cas des standards de vie qui sont semblables à ceux qu'on a en Europe et dans les pays occidentaux en général. Donc de toute façon, avec cette augmentation de la population et le besoin de rattraper ou de réduire les inégalités entre pays et au sein des pays, la consommation sera difficile de la réduire. Donc la réalité, c'est qu'il faut la faire de manière plus responsable, en réutilisant beaucoup plus. Il y a une grande attente dans l'électronique de réutilisation de composants, et évidemment dans la chaîne alimentaire. Si 50% de la nourriture, de la production alimentaire américaine est jetée, on voit bien qu'il y a des sources d'optimisation possibles, même sans parler de faire de tout le monde des végétariens, des véganes. Sachant que, cela dit, c'est aussi une question de prix, mais aujourd'hui, quand on mange un steak vegan, je vous mets au défi, quand c'est bien fait, de sentir la différence vraiment avec un steak de bœuf. Oui, alors que moi, je ne suis pas du tout vegan, je vous le dis franchement. Vous avez apprécié ça. Bien fait. Alors, voilà, le problème, c'est que ça coûte 3 000 $ de faire un burger, donc on n'est pas encore au moment où les choses peuvent être faites avec un volume suffisant pour que les coûts soient acceptables, mais on y viendra. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne peut pas demander à une filière ou à une entreprise de se rendre complètement non compétitive. Donc c'est bien pour ça qu'il s'agit d'un problème global, multisectoriel, et que seuls les pouvoirs publics peuvent quand même impulser tout ça. Et Michel-Edouard a raison de dire que beaucoup est fait, notamment en France. Cela dit, quand je regarde, par exemple, à la question « Est-ce que votre gouvernement a un plan un plan sur la sustainability ?» Il n'y a que 31% des gens dans le monde qui pensent que oui, 34% non, et le reste, ils n'ont aucune idée. Et c'est 24% en France et 18% aux États-Unis. Donc, il y a encore un gros travail à faire pour que les plans qu'on a soient connus, compris par les populations. On en est très loin. Donc, encore un gros travail à faire pour que ce soit compris par les populations. Et vous confirmez, vous Michel-Edouard Leclerc ? Oui, mais ce que nous partageons, c'est aussi le fait que, on est d'accord, toute religion a ses ayatollahs, tout porteur de projet peut être excessif, et donc on est bien d'accord. Je trouve que l'écologie est une chance, que cette prise de conscience est une chance, parce qu'au fond, ça nous donne la possibilité, ça donne la possibilité au capitalisme d'accélérer sa mutation, de reconstituer son offre. Et quand on parlait de destruction de valeurs schumpeteriennes, alors là, pour le coup, on nous annonce encore hier que toutes nos vieilles bagnoles rentreront plus dans Paris et tout. Ouais. Donc, ce qu'on reprochait à Apple de nous envoyer nos téléphones à la casse, là, de toute façon, c'est clair, on voit bien. Hier, c'était hier, vous mettez en collection si vous voulez, et pour le reste, on repasse à des gammes nouvelles et ça repart. Et donc, c'est aussi une chance pour nos économies que de pouvoir comme ça reconstituer une offre sous l'obligation écologique. Et au fond, c'est des arguments en moins à développer, c'est des publicités en moins à développer. Et il faut transformer l'obligation de la norme en une positivité et être le premier sur quelque chose qui va se faire. C'est une manière de... Moi, je pense que l'agriculture française, elle a rien à craindre du point de vue de cette mutation. Bien sûr, il faut la financer, bien sûr, il faut financer la conversion, mais on a tous les éléments. On dit les Chinois vont chercher des terres riches, des terres rares en Afrique, et tout le monde dit nous aussi, il faut qu'on y aille. Enfin, c'est une manière aussi de constater peut-être notre inertie. Mais
Les Chinois, ils vont chercher des terres agricoles, on les a, nous. On les a sous le pied, et on a des terres riches, on a des terres rares, et donc on peut les réexploiter aussi d'une autre manière. Et au fond, je suis d'accord que le modèle unique, c'est pas le bio, mais chaque région française en a sous le pied et a de la valeur sous le pied qu'elle n'exploite pas. Si vous vous posez la question combien vous connaissez de marques de viande, combien vous connaissez de marques de légumes, et comment voulez-vous fidéliser sur un marché des personnes s'il n'y a pas ce type de repère. Donc vous voyez bien qu'à l'intérieur même de notre offre, on a à parler aux consommateurs, pas simplement de Monsieur Machin du local. Nos groupements peuvent développer des relations de fidélité, des arguments qualitatifs qui vont justifier des rémunérations supplémentaires, qui vont valoriser des territoires. Faut pas avoir peur. Le vignoble l'a fait. Il y a 40 ans, quand je suis rentré en laissant de Leclerc, un centre Leclerc brûlait du côté de Carcassonne et un mammouth aussi, et les chais de Monsieur Doumingue, parce qu'on vendait de la piquette et le cours du vin entraînait tout le monde vers le bas. Et aujourd'hui, il n'y a plus de cours du vin publié dans le journal Sud-Ouest ou l'Indépendant de Perpignan. On produit plus de vin. Personne ne connaît le cours du vin ni le prix du vin. On vend des flacons, on vend des étiquettes, des châteaux, des labels, des AOC. Ben voilà, tout ce travail. Eh ben, la Ferme France, elle a intérêt à le faire. Et si elle ne veut pas que ce soit des normes, ça peut être des propositions privées de valorisation de ce travail. Je le dis un peu à la hache, mais on a sous le pied tout ça. Mais moi, je suis d'accord que la Ferme France, c'est les Fermes France. Et on a la chance d'avoir une diversité d'agriculture qu'il faut préserver. Il y a du local, il y a du global, ça a été dit. Donc il faut booster ce modèle économique qui est très différenciant dans le monde. On est un pays unique au monde en agriculture pour ça, riche de cette diversité. Pour autant, l'innovation hors coût, c'est le débat d'hier avec le ministre de l'Agriculture, n'est pas suffisante. Il faut parler de compétitivité, de garder ce socle compétitif. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des normes européennes. Et quand on exporte, notamment, qu'on arrive à pouvoir importer avec les mêmes contraintes des produits, quelque part, le même cahier des charges que quand on exporte. Il y a des clauses miroirs, et je crois que c'est un vrai sujet aujourd'hui, qu'il faut mettre sur la table au niveau européen, de dire, ben, écoutez, moi je veux bien, dans les négociations avec les États-Unis, exporter des céréales voilà, qui sont RSE, mais en contrepartie, j'importerai du soja brésilien RSE. Et du coup, vous allez voir que ça va changer. Mais ça, c'est quand même le rôle des pouvoirs, des politiques publiques. C'est le rôle de l'Europe, c'est le rôle des rapports, des négociations entre États, de créer ce terrain de jeu qui nous manque. Linda Jackson, vous souhaitiez réagir ? Je pense que vous avez raison, donc effectivement, il faut avoir le même règle partout. C'est pourquoi exactement pour l'automobile, le CO2, etc. en Europe, effectivement, c'est la même règle pour tout le monde. Donc il n'y a pas de différence. Donc je pense que ça, c'est très important. Pour revenir à votre point, je pense, nous, comme constructeurs, nous avons une responsabilité pour expliquer un petit peu le changement, la transformation. Oui. Pour le véhicule électrique, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi il faut passer à la diesel électrique? Pourquoi? Quel est le souci? Quelle est la contrainte? Donc je pense que nous aussi avons une responsabilité pour faire ça et pour communiquer plus. Plus sur la technologie de la France. Je suis anglaise, donc je peux dire ça. Vous avez des technologies. En France, nous avons le niveau de start-up. Nous avons chez PSA, chez Stellantis maintenant, un nombre de start-up français qui poussent les technologies. Mais franchement, on ne communique pas. Pas beaucoup. Donc je pense que ça, c'est une question de communication aussi. Votre expérience le prouve. Ce qui est en train de se passer dans l'industrie. La compétitivité. C'est évidemment important, surtout quand on produit la même chose que l'autre. Le jour où on produit le même poulet au Brésil et en Bretagne pour le marché du Moyen-Orient, on est foutu, d'accord ? Donc ce que je veux dire, c'est que quand LDC fait du label rouge, du bio, du grain à la ferme et de la RSE, eh bien, il a plus de chances de créer de la valeur et de tenir sur le marché. Il n'est pas d'abord dans la compétitivité, il crée son marché, il ouvre ce marché. On ne dit pas des choses
si contradictoires tous les deux, mais votre propre réussite chez InVivo, c'est pas d'avoir fait de la préservation de valeur, de la préservation de parts de marché, c'est d'avoir su innover pour être premier sur les nouveaux marchés. Quand vous êtes premier sur un nouveau marché, bah c'est comme Amazon, quoi. Si on attend qu'il applique les mêmes normes que nous, on est foutu entre le temps. Donc voilà, moi ce que j'ai, le groupe Leclerc, on est des indépendants, on est des anciens ploucs de province, on est né de rien et aujourd'hui on fait 12% de notre chiffre d'affaires sur le digital. Si on avait attendu que les normes, les mêmes normes que les autres et tout, on ne serait pas là. Hein, tu vois. Et donc, je sais que tu penses la même chose, mais c'est important que aussi les agriculteurs entendent un discours qu'en changeant de modèle, il y a aussi des modèles gagnants et pas simplement en se battant pour le financement le plus long possible du modèle qu'on a. Quoi. Je pense qu'on partage la même vision. Hein, on est d'accord. Après, quand on parle par exemple des poulets, je prends juste ça parce que... ok, on monte en gamme, le label c'est super, etc. Pour autant, on est devenu importateur et dépendant des importations sur les poulets dits classiques parce qu'on n'a pas voulu les produire en France. Alors est-ce que ça peut être une stratégie? Encore faut-il que, quand on parle de souveraineté française, nous l'assumons collectivement. C'est quand même ça la réalité du marché du poulet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Bretons et d'autres ont désarmé, parce que pour des normes ou par des investissements ou des aides, etc. Je comprends très bien. Et aujourd'hui, bah, le poulet, il ne vient pas forcément du Brésil, il vient d'Allemagne, il vient d'Europe du Nord. Et il a un label UE, et il est plus compétitif. Et nous, on n'a plus ces marchés, on ne les produit plus en France. Bref, moi, je taquine un peu, mais c'est quand même la réalité. On est d'accord. Oui, mais donc il faut taxer le mauvais poulet, taxe carbone et tout ça. Mais il faut produire du bon poulet. Nos consommateurs veulent du bon poulet. Chez Peugeot, les salariés, ils veulent du bon poulet. Et donc, on va pas dire. Non, mais évidemment. Tu vas pas dire. Ouais. On va continuer à vendre du moyen poulet ou du bas de gamme poulet. Parce que les Allemands en font. Non, voilà. Et non, mais vous voyez le combat. Le combat est moins de préserver l'ancien modèle que de dire on va faire du meilleur, on va exiger de l'État les barrières à l'entrée, mais plutôt que de dire même norme que les Allemands, il faut dire la norme qui va nous valoriser. C'est ça, dans le débat aujourd'hui, on n'a pas ce débat-là en France. Pardon, Linda. Alors, Linda, je vais vous donner la parole, mais en parlant de poulet, enfin, de mauvais poulet, je pense, alors, naturellement, au gaspillage alimentaire, je pense à plein de choses en ce moment, de toute façon, mais je vous dis ça parce qu'on a une question, bien évidemment, dans CCE, qui avait envie de se mettre en relation avec nous. C'est une question vidéo, je crois, c'est ça. C'est Olivier qui est avec nous. Et Olivier, il voulait vous interroger sur le gaspillage alimentaire. C'est vrai que Pierre Lehmann l'a évoqué, on en reparlera également. Une préoccupation des Français, puis il y a une loi qui a même été votée sur ce gaspillage alimentaire. C'est à vous, mon cher Olivier. Bonjour, vous nous appelez d'où ? Bonjour. Bonjour, donc je vous appelle de Nantes, enfin du sud de Nantes, à Vertou pour être plus précis. Vénard. Et donc c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier puisque je commercialise des produits bio sur les réseaux spécialisés en Europe. Et c'est vrai qu'il y a une question qu'on se pose toujours quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est de se dire... Pourquoi est-ce qu'on est toujours contraint finalement par ces DLUO, donc ces dates limites d'utilisation optimale, qui font qu'en effet, bah, il y a du gaspillage, puisque dans les magasins, on est obligé de garantir une date et que passé cette date, la marchandise est jetée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? On a des exemples. Moi, je travaille pour une boulangerie qui commercialise du pain de mie et on a du mal à l'exporter à condition de le faire en sec. On peut le faire en surgelé, mais sinon, si on ne garantit pas 10 jours, voire 15 jours au magasin, on est bloqué. Les choses ont évolué tout de même, hein. Olivier, Michel Barclay, j'aimerais avoir votre réponse. Il y a toujours des améliorations à faire, mais Olivier, aujourd'hui, un magasin n'a plus à jeter, quoi. Bien avant l'arrivée des dates, des jeunes start-up d'ailleurs, qui ne sont plus des start-up, qui sont des scale-up, je ne sais plus comment on les appelle, enfin, chez moi c'est des PME, mais non, aujourd'hui ils anticipent 15 jours avant, on met en promo le produit qui a une fin de vie plus courte, et puis au pire, ça ira à la banque alimentaire, à des associations. Aujourd'hui, ce qui traîne dans les poubelles, ça fera peut-être encore un sujet sur TF1, mais franchement, c'est marginal. Le travail est fait, et en tout cas, les sources de gaspillage sont moins là-dessus. Ils sont beaucoup plus sur, comme le disait tout à l'heure M. Lehmann, sur l'incapacité de recycler ce que pourtant on a bien trié. Là, il y a le plastique,
moi j'ai été un des premiers à supprimer les sacs plastiques, ce qui était à l'époque avec un enjeu commercial terrible. Nos clients disaient mais j'ai le droit d'avoir un sac avec l'argent que je vous laisse, je veux un sac. Et on a supprimé les sacs plastiques jetables. À l'époque c'était par milliards, hein, et aujourd'hui il y en a peut-être quelques milliers, mais même les sacs de fruits et légumes aujourd'hui c'est des crafts ou des filets. Et donc on a mis 15 ans quand même pour le faire. Et d'ailleurs ils ont mis 15 ans pour faire la loi, hein, depuis le moment où on l'a fait. Mais là il y a encore des sources énormes. On n'est pas dans l'économie, on n'est pas dans le cercle vertueux, quoi. Il y a encore beaucoup beaucoup à faire. Vous avez dit 9% je crois de plastique recyclé. C'est sûr que voilà, ça c'est un enjeu colossal. On a choisi un système en France qui est différent du système allemand où on fait de la casse collective, du recyclage collectif. Et ça marche pour le verre, mais ça marche pas bien pour le plastique. Et donc là, c'est un investissement à réaliser. Ouais. Bien, merci beaucoup Olivier pour votre question. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au secteur automobile avec vous, hein, Lida Jackson, qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, de grande distribution. On est dans un besoin de nouvelle mobilité. Vous le disiez, hein, les consommateurs demandent, dictent, exigent, en tout cas sont force de proposition. Ça vous challenge, ça c'est sûr. Oui, c'est un challenge parce qu'effectivement, c'est difficile de prévenir exactement qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'avant Covid, c'était le copartage, le car sharing. Maintenant, ouais. C'est pas évident parce qu'effectivement, on voit que les chiffres baissent. C'est en baisse. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, après, c'est clair, aujourd'hui, on a vu quelques enquêtes, effectivement, les gens cherchent la mobilité. Toujours la mobilité, mais il n'y a pas une grande différence entre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent je ne veux pas acheter une voiture. Peut-être dans la grande ville, Paris et tout ça, mais à la campagne, non, parce que c'est pas évident. Besoin, ouais. C'est pas évident. C'est un besoin. Mais c'est clair, dans les grandes villes comme Paris, Londres, etc., ils ont besoin d'une voiture. Donc, effectivement, tous les constructeurs et nous-mêmes, Peugeot, nous sommes en train de transformer. Par vendre les voitures, de fournir la mobilité, peut-être acheter une voiture, peut-être louer une voiture, peut-être louer une voiture pour un jour, une heure, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est le changement, je crois, de l'accès à la mobilité. Et donc ça, c'est le changement. Donc on change d'un constructeur qui produit, qui construit, qui fait simplement la voiture, et maintenant c'est comment on peut fournir un système, une 360 degrees écosystème de mobilité. Et ça, c'est le changement. Mm-hmm. Mobilité, changement, agilité. C'est mobilité, changement. Évidemment, l'électrification, ça joue un grand rôle dans ça. Il faut qu'on se voit, Linda, parce que aujourd'hui, je crois beaucoup à ce que vous venez de dire. Donc, j'emmène mon enseigne à fond là-dedans. On a 30 000 véhicules en location. Les jeunes aujourd'hui hésitent à acheter une voiture. Ils tardent à passer leur permis de conduire. Mais par contre, louer à la journée, faut pas nous laisser que Renault à 4 ou 5 clair. Euros par jour. Il allez, est en train venez. De se passer quelque chose sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est je crois. J'ai reçu le message. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que New York a reçu ce message et comment New York le comprend, mon cher Pierre Lehmann? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? New York, la ville de New York, évidemment, ça ne ressemble pas forcément au reste du monde. C'est vrai. Non, moi, je crois, effectivement, on a aujourd'hui un petit peu l'immédiate suite de la pandémie. Donc, il y a encore des soucis sur de safety, de santé, est-ce que c'est dangereux ou non de prendre un Uber, de partager une voiture avec quelqu'un d'autre, donc on a encore un petit peu ça. Puis il y a aussi dans l'automobile aujourd'hui des difficultés dans la supply chain, hein, sur les composants électroniques en particulier, qui fait que aujourd'hui si vous allez chez un car dealer aux États-Unis, vous allez voir des parkings vides, parce qu'ils n'arrivent pas à produire leurs véhicules tant qu'ils n'ont pas retrouvé un accès aux composants électroniques comme ils avaient avant. Bon, mais cela dit, moi, je crois beaucoup à l'économie du partage. Je pense que quand on regarde les jeunes générations, en effet, il y a des grandes différences entre les générations X, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 25, 26, enfin moins de 30 ans aujourd'hui, on va dire, les générations Y jusqu'à 42, 43 ans, et puis les autres générations. Il y a vraiment de grandes différences, et l'attente
de protection de l'environnement, le besoin de sociétés plus responsables, évidemment beaucoup plus fort dans ces jeunes générations qui savent très bien que ça va être de leur vivant quand même qu'ils vont voir les conséquences très graves de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc il y a une grande différence et moi je crois beaucoup que la notion de partage va être plus importante qu'elle l'a été. Et puis c'est aussi, en tout cas dans les pays développés, le statut n'est plus forcément lié à la possession. Le statut est lié au fait de pouvoir bénéficier d'un service. C'est ça, à la carte. Le statut, ça peut être d'avoir un Uber qui est plus rapide, plus beau, où je peux avoir une Tesla et non pas une voiture, excusez-moi, hein, c'est pas pour dire du mal des autres constructeurs, enfin, une voiture électrique, une voiture électrique, plutôt qu'un modèle, plutôt qu'une BMW, disons du mal de nos amis allemands. Voilà, dont on parlait des voitures allemandes des années 70. Le statut change dans les pays développés, mais maintenant, si vous êtes en Inde, si vous êtes au Vietnam, si vous êtes peut-être même en Chine, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc, il y a encore cette idée que la voiture est est quand même un signe de statut social. De posséder des objets, posséder une maison, c'est un signe de statut social. Donc, les choses peuvent être un petit peu différentes entre les différents marchés. Mais dans les pays occidentaux, effectivement, je suis assez convaincu que l'économie du partage et le statut vont être trouvés différemment. Mm-hmm. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut basculer, et je sais pas où on fait exactement ça, basculer vers la mobilité. Fournisseur de mobilité et pas un fournisseur effectivement d'acheter une voiture. Donc, c'est exactement ça. Mais c'est toujours cette vitesse, cette différence, cet écart de vitesse entre la région. Donc, effectivement, il faut jouer ça aussi. Thierry Blandinière. Moi je m'interroge sur la distribution un petit peu parce qu'on est distributeur. Michel, là, je ne sais pas si vous savez qu'on a Jardiland, Gamme Vert, des petits distributeurs. Nous, on est modestes. Hein, mais bon. Ça va. Mais en fait, on se pose beaucoup de questions sur le modèle économique demain de la grande distribution en France et dans le monde. Mm-hmm. Et aux États-Unis, moi, j'ai été frappé, la dernière fois que j'étais à New York, c'est de voir, je ne sais plus dans quelle avenue, tous ces magasins qui étaient fermés quelque part et de voir plein de cartons Amazon sur les trottoirs. Et je me dis, est-ce que, qu'on parle de disruption, est-ce que là, il ne se passe pas quelque chose dans les grandes villes par rapport au commerce? Et comment nous, vieille économie qui doit se transformer, on doit pouvoir résister à ces grandes places de marché mondiales qui récupèrent toutes les données quelque part? Et comment nous, on peut, je ne sais pas si Walmart s'est transformé aussi pour résister à Amazon suffisamment, ou Kruger avec Microsoft et tout ça, c'est ce que j'avais vu aux États-Unis. Je crois qu'on parle de la même chose. Et qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Et comment on sort par le haut de ces entreprises qui sont valorisés à des niveaux incroyables, ça leur donne des effets leviers incroyables, donc des moyens financiers incroyables pour disrupter le modèle. Et nous, on est en résistance. L'omnicanalité, multisupport, enfin tout ça, Jean-Michel Edouard, vous connaissez par cœur. Il y a quand même une réponse à apporter. Il ne faut pas être en résistance. Il faut prendre le marché. Prise. Il faut être devant. Et on est capable de faire. Moi, je suis un ancien universitaire qui est tombé dans le monde du carrelage, de supermarché. C'est il y a 10 ans, j'ai des propriétaires de magasins qui pourtant avaient investi beaucoup de sous dans l'hypermarché, qui ont un jour découvert qu'Auchan avait amené en France la notion de drive et qu'ils ne l'exploitaient pas. En 10 ans, on a monté des drives à travers toute la France sans toutes ces normes pour demander l'autorisation des magasins, et aujourd'hui à coût de 30 ou 40% de croissance par an. Et aujourd'hui, le drive chez nous, c'est des millions de consommateurs qui, avant de se déplacer, regardent, choisissent les différents types de canaux, et ils nous ont appris et nous avons appris à anticiper Amazon plutôt que de lui résister. Et aujourd'hui, Amazon, quand il va devoir livrer Paris avec le pouvoir d'achat qu'il y a à Paris, il va le faire. Mais quand il va vouloir venir nous concurrencer à Concarneau chez moi, je vous assure que le Leclerc de Concarneau, il aura maîtrisé ses outils logistiques pour résister à Amazon, et il aura la promesse commerciale en plus et l'image du terroir en plus. Donc c'est vraiment dans l'économie française, il faut qu'on redevienne pionnier. Il y a plein de pionniers chez nous. Il faut leur donner la main. Il faut les suivre. Sortons de la notion de défense. Les lignes Maginot, ça ne tient pas. Oui, Pierre. Une précision, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'idée qu'aux États-Unis, Amazon domine tout. Alors, c'est vrai qu'Amazon réussit très, très bien aux États-Unis, mais surtout dans le cloud. Enfin, ce n'est pas juste le commerce. Mais en fait, aux États-Unis, la pénétration de l'e-commerce dans le retail est inférieure à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres pays développés. C'est
très inférieur à la Chine, c'est inférieur à l'Angleterre, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus croire ça. Et le développement de, le plus récent, enfin, ce qui marche le mieux depuis le Covid, c'est le, ce qu'on appelle le BOPIS, c'est-à-dire Buy Online, Pick Up In Store. Et donc, okay. on voit les gens commander sur Internet, mais aller chercher leur paquet sur le trottoir, ce qui donc combine un peu le besoin de sécurité sanitaire, mais aussi finalement c'est pratique. On commande et puis on va chercher au lieu d'aller faire la queue, de se promener partout dans les rayons. Voilà. Donc il y a une adaptation, une innovation ici qui a très très bien fonctionné de ce point de vue-là et qui n'est pas du tout négatif pour le commerce physique. Alors on va prendre une dernière question avant de conclure cette table ronde. Je crois qu'on aurait pu tenir des heures et des heures avec vous tous. C'est vrai que le débat est passionnant, les échanges le sont aussi. Elle est pour Linda Jackson. C'est une question de Anne Duverger qui dit « Avez-vous remarqué, Linda, des changements de comportement de consommation depuis le début de la crise dans le secteur automobile ?» Ben oui, oui, on l'a évoqué. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Donc effectivement, il y a trois grands éléments. Le premier, c'est le croissance de vente de véhicules électriques. Donc maintenant, chez Peugeot, moyenne, c'est 18%. Donc ah oui. 18% de nos ventes oui. sont les véhicules électriques. Ça, c'est 5 points plus que l'année dernière. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la vente en ligne et le rendez-vous en ligne pour l'après-vente. Livraison chez vous, ouais. Ça, c'est une demande qui est plus importante maintenant. Et le troisième, c'est évidemment, nous avons une croissance de part de marché, mais c'est grâce à le créer de valeur. Donc, les clients sont plus... ils cherchent la valeur. Ils cherchent quelque chose qui, effectivement, donne sens... pour l'achat. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, je pense que les trois, l'électrification, vente en ligne, rendez-vous en ligne, tout ce qu'on peut faire en ligne, et pas aller dans un concessionnaire. Et le troisième, c'est qu'ils cherchent la valeur, ils cherchent la raison pour laquelle ils ont décidé d'acheter quelque chose à la claque ou quelque chose un Peugeot, par exemple. Bien. Alors, il nous reste quelques petites, pour très peu de minutes, j'aimerais entendre chacun votre mot de la fin. Michel-Édouard Leclerc. J'ai trop parlé. Je voudrais juste poser une question à Linda du point de vue de la consommation. Quand on va dans la rue, les voitures, elles sont presque toutes grises. Je sais que ce n'est pas vrai au niveau de la production, mais qu'est-ce qui fait que la couleur, ça ne prend pas ? En tout cas en France. Sur le parking de supermarché... Noir, blanc, gris, un peu gris. Bleu. Alors voilà, gris. Qu'est-ce que ça dit du statut de la voiture ou de nous? C'est une bonne question parce que c'est différent par pays, franchement. Mais en France, oui, c'est gris. Mais ça, c'est la demande du client. Mais si on regarde toutes les campagnes de tous les constructeurs à la télévision, ils sont tous la voiture rouge, oui, c'est ça. Vert, etc. pour attirer les clients. Mais après, le choix du client, c'est gris. Ou noir. Et donc, je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi en France, c'est gris et noir. C'est ça, pour passer un petit peu plus inaperçu, pour ne pas trop se démarquer. Gris, c'est un... c'est plus valorisé, je ne sais pas, mais franchement, ça fait... C'est différent. On dit que c'est moins salissant, en général, quand on fera une voiture grise. Oui, mais si c'est pour ne pas paraître, et en même temps Exactement. Qu'on achète une voiture haut de gamme, c'est assez étonnant. Donc, je ne sais pas ce que ça dit de nous. Bien. Vous pensez que ce n'est pas le producteur, mais, c'est nous. Mais c'est aussi lié avec la valeur résiduelle aussi, donc c'est la revente. Oui. Et dans la revente après, donc effectivement, évidemment, il y a beaucoup de gens qui achètent un véhicule d'occasion et ils ont besoin de quelque chose. C'est plus difficile de vendre un véhicule d'occasion qui est en rouge, donc vert foncé ou quelque chose comme ça. Ah oui, non, le vert, oui, en France, en tout cas, ça n'a pas beaucoup de succès, effectivement. Il est vraiment temps de conclure cette table ronde. Thierry Blandinière, un mot de la fin ? Juste un petit mot rapide, simplement dire qu'on est vraiment en mouvement, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper ces nouvelles tendances, d'embarquer un maximum de monde pour faire évoluer le modèle de la transition agricole en lien avec nos clients, en France et à l'international, et que l'innovation, c'est le cœur du réacteur. Et l'innovation, c'est le digital, mais c'est aussi trouver des nouvelles recettes, des nouvelles compositions de produits, s'adapter en permanence, l'adaptation, se réinventer. On est dans ce mouvement-là, c'est les messages qu'on passe dans l'agriculture en France, en Europe et à l'international. Quand on se déplace, c'est exactement les mêmes messages qu'on attend. Il faut se dire qu'on n'est pas tout seul à parler comme ça. Mondialement, tout le monde est dans cette logique de transformation. Quand on parle du steak végétal, c'est d'abord à New York que ça a démarré, donc avec des grands groupes comme ADM qui ont financé, avec McDonald's derrière. Donc on sent que le monde est en train de bouger.
et que donc je m'adresse aux CCE qui sont partout dans le monde, bah, défendre l'agroalimentaire français, la ferme France, c'est aussi vous donner les armes pour pouvoir parler de nous en bien et de dire qu'on est en capacité de répondre à ces attentes. Merci voilà. Thierry Blandinière. Linda Jackson ? Oui, donc effectivement, pour moi, il faut être agile aujourd'hui. Le monde est chaotique, donc effectivement, il faut être agile, il faut innover, il faut adapter et il faut prendre le pari aussi. Donc ça, c'est le message pour moi. Michel-Edouard Leclerc. Alors, je ne voulais pas clôturer, mais permettez aux Bretons de dire qu'après ce débat et avec les invités qui vont suivre, je pense qu'on a des raisons d'être fiers, d'être français. Et c'est un Breton qui le dit. Merci beaucoup. Et puis on va donner le dernier mot à notre ami Pierre Lehmann, hein, qui est à New York en ce moment. Alors Pierre, oui, non, j'ai dit que je pensais que les gouvernements doivent en faire beaucoup plus, même s'ils en font déjà beaucoup, et notamment les Français. Mais c'est un problème très important, très difficile à régler. Il faut faire plus. Et pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, je pense qu'il faut bien garder en tête que d'une part, il faut réconcilier la position qu'on prend et son positionnement, ce que Michel-Edouard Leclerc fait admirablement bien depuis toujours. Il faut aussi respecter le triptyque de pertinence, authenticité et résultat quand on parle de développement durable. C'est fini l'époque où on pouvait prendre des positions et espérer que les gens allaient nous croire comme ça sur parole. Il faut démontrer qu'on fait, qu'on produit. Il faut communiquer sur ces résultats. Et puis, il faut être sincère parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de convaincre, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on est sincère quand on ne l'est pas. Donc voilà, il faut croire à ce qu'on fait et le communiquer le mieux possible. Merci beaucoup, Pierre Lehmann. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On vous dit à très bientôt. Bonne continuation à New York. C'est encore le matin, là, non ? Vous êtes, il est quelle heure ? Tout à fait. Je vais commencer ma journée après ce super débat. Donc, je suis en pleine forme. Merci beaucoup, c'est un plaisir et merci pour votre dynamisme. Merci à vous, Linda Jackson, d'être venue nous voir. Merci à Michel-Edouard Leclerc et Thierry Blandinière. C'était un vrai plaisir de partager cette table ronde sur cette thématique de la responsabilité et puis bien sûr de cet engagement auprès des citoyens pour cette séduction, cette reconquête. Et puis, eh bien, tout de suite, je vais vous proposer de vous mettre à l'honneur juste après le jingle.